Mais oui, il a travaillé avec Desplechin, Égalé de Girardot. On a fait 6 même. C'est pas mal, mais Emmanuel aussi en a fait 6. Ouais, je sais, on se tire la bourre. Il y a une battle. Mais je pense que c'est Mathieu qui est devant quand même, Manric. Alors j'ai pas compté, mais je pense qu'il est devant. Je pense qu'il est devant quand même, ouais. Bah ouais, c'est comme ça. C'est comme le Tour de France, voilà, il y a toujours. Non, mais en même temps, ça marque une certaine fidélité de la part d'Arnaud Desplechin avec ses comédiens. Ouais, mais je pense qu'à chaque fois, c'est un nouveau désir en fait, je crois. C'est pas un habituel, enfin, il va pas faire ça automatiquement. Je crois qu'il a un désir à chaque fois nouveau. Enfin, moi, je le sens. Quand on est sur le plateau avec lui, on sent ça. La même démarche pour toi, c'est-à-dire que tu dis pas oui systématiquement? Si, moi en général j'ai envie de dire oui parce que j'adore son cinéma, avant même de travailler avec lui. Mais lui, il considère pas comme normal de reprendre les mêmes. Mais il en a envie à chaque fois, je crois. C'est ça qui est très beau. Très impatient, très curieux de découvrir celui-là, Hippolyte? Énormément, c'est très... De toute façon, je trouve ce titre magnifique, quoi. Roubaix une lumière. Oh là là, quel beau titre, mais c'est magnifique, quelle belle idée. J'adore ça. Et en anglais, c'est Mercy. Oh Mercy. Oh Mercy. Je ne savais pas que c'était un film de la Nouvelle-Orléans, mais c'est une bonne idée aussi. Merci, bonne projection Hippolyte. Merci beaucoup, au revoir.